ton calme. Tu m'as fait peur. Tu pars en voyage? Non, c'est un repas pour les merci. Tu vas bien? Ça va. T'as encore reniflé ta saloperie? Je pense que je trouve. Ah, tu te fais du mal, mon pauvre Tonkin. Allez, viens, je vais te donner quelque chose de mieux. Non, non, ça va. Allons, hein. Pose ton sac. J'ai pas le temps, je vais encore aller poser des collets. Tu fermes la chelou. Mais tu rigoles. Je vais voir ton lapin. Et ton lapin? Tu me quittes comme ça, sans avertir? Oui, je pars, c'est mon droit, non? Là-bas? Là-bas, parfaitement. Je me tire, j'en ai assez de voir leur sale gueule. Il a raison, le Parisien, de les envoyer chier. Moi, je veux pas crever ici. Leur terre, leur bois, leur champ, j'en ai rien à foutre. Leurs idées, je pisse dessus. Je me tire, oui. Avec quel argent tu vas payer le voyage? J'ai des combines. À Marseille, j'embarquerai comme garçon de cuisine ou comme soutier. Et jusqu'à Marseille? Je me débrouillerai. Où t'as caché le magot? Mais pas idiot, lâche-moi, toi! Écoute, Tonkin, tu sais ce que je pense d'eux. Hein? Toi et moi, on n'est pas de leur bord. Mais on est quand même des goupilles. Alors pas de vol et pas de crime. J'ai rien fait. La nuit du vol, t'as pris deux lapins près de la Grande Mare. C'est bien ce que t'as dit? Ouais. Hein? C'est quoi, ça? Hein? C'est quoi? Des crottes de lièvre. Et tu sais bien que là où il y a des lièvres, il n'y a pas de lapins. Je les ai trouvés près de la Grande Mare. T'as pas pu trouver de lapins là-bas? D'accord, c'est vrai. Où t'as été la nuit du vol quand on s'est quitté? J'ai suivi le Parisien un moment. Après, j'avais quelqu'un à voir. Qui? Une femme. Bien. Qui? Ça te regarde pas. Tu mens. T'es retourné à la ferme pendant que le Parisien se trompait de chemin. T'as surpris le vieux qui caressait le magot. Tu l'as assommé. Et tu t'es sauvé par la fenêtre. Non. Qu'est-ce que tu fais? Reste assis. Il te fait mal, cet œil? Non, pourquoi? Tu perds tes cheveux. Mais t'es fou, ma parole! Si tu crois m'impressionner avec tes conneries... Tu me fais pas peur, là. Tu peux partir, maintenant. Du baratin à tout ça. Merde. C'est moi qui ai volé les 10 000 francs. Quand il est ressorti, il a filé tout droit sur le chemin. J'en ai profité pour rentrer. J'ai trouvé le vieux sur le plancher, il avait les billets dans la main. J'ai d'abord pensé qu'il fallait appeler les femmes, mais j'étais pas dans mon état normal. J'avais pas le moral. J'avais qu'une envie, c'est de foutre le camp de cette famille de merde. À cause du Muguet? Elle t'a parlé? Non. Je devine parce qu'il y a des choses qui se voient. Quand t'as su qu'il voulait faire venir le cousin de Paris, t'as pris ton courage à deux mains. Arrête. Elle a refusé. Ça lui faisait de la peine, mais elle a dit non. Elle a eu raison. J'aurais pas fait un bon mari. C'est sûr. J'avais qu'une idée, c'est de foutre le camp, retourner là-bas. C'est pour ça que j'ai piqué les 10 000 francs. Et le magot? Pour le magot et la bigote, je te jure sur la tête de Muguet.
Et les 10 000 francs?